Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Le soir Tarchaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio. Allez, c'est reparti, vous êtes sur TSO, toujours dans le soir Tarchaud, 19h-21h. On va jouer au jeu du post-it. Alors, pour un coup, je vais jouer parce qu'on m'a choisi une célébrité ou un personnage connu que... je vais tenter d'essayer de deviner grâce à vos précieux indices. Est-ce que tu peux me coller sur le front? Eh, vas-y, colle-lui cette carte. Ah, mais le problème, c'est que je me vois dans la caméra, donc il faut impérativement que tu changes la vue avant que je regarde. Oh, ça te va tellement bien. C'est tellement toi. Qu'est-ce que sinon? Change pas la vue, mais je vais pas regarder. C'est tellement toi. C'est vrai? Ouais. 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 Par contre, tu m'as fait mal. Allez, Ça doit poser la question. Est-ce un chanteur? Non. Est-ce un acteur? Oui. Américain? Non. Français? Non. Anglais? Non. Italien? Non. C'est pas Rocco Siffredi, hein. Bah, j'ai dit acteur. Non. Français, j'ai dit? Oui, t'as dit oui, mais... Il est européen. Angela Merkel? C'est un acteur allemand? Non. Italien? Tu vas te faire tous les pays, non? Espagnol? Non. Il t'en manque un, Portugal, pays. Portugal? Non. Suisse? Non. Remonte encore un peu. Ouais, remonte. Rapproche, ouais. Belge? Oui. On est toi. Allez, Boulevard? Non. C'est tellement vous, c'est tellement toi, vous m'avez dit, c'est tellement toi. C'est moi qui t'ai dit. Chauve? Non. Bon, il a pas énormément de cheveux non plus. Il est pas très fourni capillairement. Mais c'est pas pour ça que c'est tellement toi. Niveau. Donc, c'est pas dire. François Damiens? Non. Niveau corps, c'est pas du tout pareil. Non. Mais niveau intelligent. Jean-Claude Van Damme. Espèce d'enculé. J'allais dire Vin Diesel, mais c'est du pareil. Est-ce que je sais faire le grand écart entre deux camions? Niveau je corps, c'est pas pareil. Oh là, il va vous faire foutre. Tiens, regarde, je vais le garder celui-là. Non, ils l'ont vu peut-être, hein. Le deuxième. Non, je pense pas. Moi, je vais aller le coller sur le front de quelqu'un et il y a une sucette. Ah non, la sucette, elle marche plus. Ah, c'est bête ça. Si, elle marche. L'eau, c'est sucette, important, dans 50 ans, il n'y en aura plus. De toute façon, on n'a pas de chanteur aujourd'hui. Non. Est-ce que vous. Non. Non. C'est incroyable. Allume-le, tes autres. Non, en fait, c'est le truc qui marche plus là. Faut regarder. Bah, faut appuyer dessus, non? Bah, vas-y, c'est ton matériel. Peut-être que tu connais un peu mieux, non? Ah, t'es bloqué. Un micro dans le cul, ça va. C'est ta bite? Oh putain, il a retourné le bordel. Ah! Est-ce qu'au moins c'est branché déjà? Oui, mais bien sûr. Est-ce que c'est. Vous m'entendez? Ah non, c'est pas branché parce que ça veut pas s'allumer. Non, c'est pas. Je sais pas. Ça doit pas être branché parce que ça veut pas s'allumer. Mais pourtant, bon, on regardera plus tard. Je regarderai à la pause. Vous allez combler pendant que je me déplace. Ok. Déplace-toi. L'important, qui va décider de passer. Bah, elle a des talents, hein. Du coup, c'est une fille. Ah, ok. Deux questions. Oui, c'est une femme. Femme. Elle est française? Non. Elle est américaine? Ouais. Elle chante? Oui. Elle chante depuis longtemps? Ouais. Moi aussi, ouais. Pas mal. Elle est vieille? Non. Elle commence. Elle est bonne? Elle est plus vieille que toi. Elle est bonne? Ouais. Mais elle est plus vieille que toi. Elle est typée? Ouais. Plus que typée. Qui la rend du coup plus colombienne qu'américaine, mais oui. Plus colombienne qu'américaine. Je viens de t'égarer là. Je pense que je viens de t'égarer parce que du coup tu vas partir sur quelqu'un d'autre. C'était pas elle. On va poser des questions pour qu'on te remette dans le prochain. On a perdu. Elle a plus de 40 ans? Non. Alors vas-y, pose une autre question, je vais te dire ça tout de suite. Bah, je l'ai sous les yeux donc. Plus de 40 ans. Elle est blonde? Elle a pas plus de 40 ans. Elle est blonde? Non. Bah, ça dépend des. Ça dépend des couleurs. Elle est très connue. Elle passe sur TSO Radio? Non. Oh, vas-y, 39 balayons. Ouais, bah, 40 ans. Elle passe pas sur TSO Radio? Pense-moi, non. Pense-moi. Elle est très, très, très connue. Hein.
très connue. Très bonne. très bonne aussi, c'est ça. Du coup, elle est brune. Ouais. Bah oui, c'est le problème. Naturellement, oui. C'est le premier jour. Elle est vachement un petit peu sud-américaine. Je regarde, j'essaie un peu de regarder la vraie. une chanteuse américaine. Ah ouais, mais il y en a plein, des chanteuses américaines, il y a que ça. Elle danse. Elle est chanteuse, danseuse, productrice, actrice aussi. Dans des noms, pire. Elle a un mari connu. Ouais, aussi dans plusieurs. Son mari, il est pas footballeur. Non. Son mari est chanteur. C'est pas Shakira. C'est pour ça que tu m'as dit à Colombie tout à l'heure, Bernard. C'était ça que j'avais en tête. Il me semble que son couple, qu'elle forme avec son mari, c'est le plus riche du monde, il me semble. Ouais. Donc du coup, non, tu dis rien. Comme des noms. Ah bien. Bah voilà. Ah mais apparemment il aime bien. Ouais, mais du coup c'était ton côté Colombie machin. C'est pas la Colombie. Parce que du coup moi j'étais sur Jennifer Lopez ou Shakira. Tu veux plus le côté latino. Elle est de où en vrai? Ah bien sûr, elle est de Houston. Elle est de Houston. Bah mais la quoi, elle est plus blanche que ça. Ah bah oui. Vous voulez pas? Ah bah Max. Allez, on va en faire un petit dernier. Le gars va sortir Ava Max toutes les. Allez, il se voit dans les caméras sinon. Non, tu vois pas. Allez, on t'écoute. Donc c'est Nivek, hein, je l'ai mis sur le front de Nivek. C'est un homme? Non. C'est une femme. Bah oui, je pense. Chanteur? Non. Ah, peut-être en ses talents cachés qu'on sait pas, hein, mais. Nivek. Tu suis tellement que ça glisse. Bah oui. Actrice? Non plus. Non. C'est pas la politique, j'espère. Si. Ah bah alors. Ah, y en a plein, hein. Bah ouais. On va pas te faire la même à chaque fois, hein. Non, on a parlé d'elle il y a pas longtemps, hein. Ouais. Oui, c'est une femme, mais on l'a dit. Oui, c'était une femme, oui. Oui, elle fait un peu de politique. Oui, un peu de politique, en Europe. Bon. N'est-ce pas? Non. Ah, tu fais beaucoup de politique. Elle ferait. J'ai oublié son nom. Non, oui, je sais, c'est qui, mais j'ai oublié son nom. Mais putain, mais non. C'est qui? J'ai oublié son nom, je sais que c'est celle que j'ai demandé la dernière fois. Eh, on peut peut-être appeler Stéphane, peut-être qu'il saura le dire. J'oublierai ton nom. Angela Merkel. À chaque émission. Je me disais c'était elle, mais je me souviens plus tout son nom. Tu peux lâcher? Oui, c'est bon, oui, du coup. Bon, finalement, on lui aura même pas appris, tu vois. Bon, ah, bah... tu pourras l'essuyer. Merci Nivek. Eh bien écoutez, on va se retrouver juste après la pause et de la musique. On se retrouve pour un parole de chanson, mélodie de note. Je rappelle que le concours se joue toujours entre là ça va rassurer les deux gonzesses, oui. Entre nos deux voix chanteurs, nos chanteurs, nos deux choristes. Encore? Bah oui, le jeu. Ouais, la dernière fois c'était un ex-aequo. Voilà. On est toujours sur un 2 contre 1, du coup. En tout cas, on a trouvé le bon filon pour... Ouais, ouais, on voit deux ça. Deux contre 1. Et qui est deux? Lui? Deux, c'est lui, ouais. Vince, faut que tu dises... Oh, c'est chelou, pourtant, il chante mieux. Bah ouais, mais lui... Ah, le jury est corrompu, hein. Non, il a coup, corruption, c'est corruption. Fait, la dernière fois, il nous a fait rire. C'est vrai, tu t'es tapé le jury. Moi, perso, j'avais voté pour Vince la dernière fois. Voilà. Bah, t'avais voté pour Vince, pour ça. Et t'as enfilé, voilà. C'est pour ça, non? Pas d'être jeune, hey, Vince, tu t'es pas tapé le bon côté du jury. C'était pas là-bas qu'il fallait taper. Ils ont beaucoup plus de voix. On a plus de coffres. Ouais, voilà, ils ont plus de coffres. T'avais voté pour Seb, toi? T'avais voté pour Seb la dernière fois? Ah bon? Oui. Oh, je suis un connard aussi. Enculé. Ah, toi aussi, t'es passé à la casserole. Ouais. Enculé. Tu viens souvent chez moi et tu finis souvent en caleçon, hein. C'est vrai, c'est pas faux. Allez, vous restez là, vous bougez pas la suite de l'émission avec la suite de nos conneries, à tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.